avec Vito Abba, on avait décidé de faire quelque chose, une première. C'est une exposition, les œuvres n'ont jamais été encore exposées et c'est une première mondiale qu'on a décidé de faire avec Vito pour le musée Lucas, spécialement pour le musée Lucas. En fait, je travaille l'identité industrielle d'une matière et je la situe dans la société. Et après que j'en ai développé un discours intellectuel, avec ma dimension peu-porte, je lui donne sa dimension culturelle, sans enlever son identité industrielle. Ce qui permet de traiter des matériaux que l'on utilise dans la société et de travailler avec des entreprises et de garder ce côté identitaire, industriel et social, marié avec de l'art et du pop-art. Les œuvres ne peuvent se faire qu'à l'intérieur des entreprises. Ce qui est intéressant aussi parce que les ouvriers prennent une autre dimension de leur travail. Donc je fais ça au milieu de l'entreprise et des ouvriers. Et il me faut des grosses équipes techniques parce qu'il faut des ingénieurs pour préparer les plastiques, les matières. Exactement, oui. C'est très interactif. Le départ est toujours de quelque chose de très académique. Ce sont soit mes peintures, soit mes photos. Mais ceci me sert à recomposer une image manuellement par transparence de film. Je reprends une photo de ma peinture ou une photo de mes photos. Après, je développe sur des films transparents pour recréer une image manuelle. Après que l'image manuelle est créée, la technique, je développe ça sur un film imprimé à l'encre. Et après, j'ai des techniques avec des entreprises de chauffe thermique où, suivant la température, on incruste dans la matière. Le vinyle se détend, se rétracte, et la matière aussi se détend et se rétracte. Et au bout de 24 heures, tout se solidifie ensemble.